Alors ça c'est mon personnage principal, pour moi c'est Guillaume Apollinaire, dans les tranchées. Donc là j'ai fait des petites recherches de tranchées. Ça c'est sa douce? Ouais, c'est sa meuf. Et ça c'est son oiseau qui l'accompagne dans les tranchées. L'oiseau géant finalement c'est l'âme de sa nana. Donc il arrive à tenir où c'est horrible, il y a de la boue partout, il pleut, il fait froid. Et cet oiseau vient le soutenir. Je parle du quotidien avec des mecs qui sont seuls, qu'on n'a rien à foutre de la guerre, qu'on n'a rien à faire ici, ils y connaissent rien, à l'art guerrier. Et c'est des choses dont on ne parle pas du tout en fait, parce que c'était mal vu. Il fallait que l'acte de guerre soit héroïque, soit beau et courageux, alors que en réalité, finalement, c'était pas tout le temps ça, quoi. Et c'est juste que c'est des mecs qui ont chié dans la boue, quoi. Mon film, c'est pas vraiment un film d'action où justement j'ai vraiment orienté sur le sentiment des personnages et il se passe pas grand chose. Les mecs essayent de s'occuper, il va jeter un caillou, il va essayer de le jeter dans un petit pot, des petits jeux comme ça, essayer de s'occuper. Enfin là, j'essaie de montrer l'ennui, mais je me dis qu'il faudrait qu'on commence à mettre en place le fait que ces soldats. Enfin, pense à leur nana, à leur femme qui est restée derrière. Je me dis qu'il y en a peut-être un qui va prendre une photo dans sa poche ou un truc comme ça, je sais pas. Un oiseau chante. Guillaume Apollinaire. Un oiseau chante, ne sais où. C'est, je crois, à ton âme qui veille parmi tous les soldats d'un sou. Et l'oiseau charme mon oreille. Moi je pars sur un seul dessin, donc ce dessin là je vais faire toute mon animation, je vais faire mes 20 secondes d'animation. Et donc j'ai fait une main que j'ai découpée, donc là hop, il y a les doigts qui sont découpés. Et en fait ça me permet de que le petit bonhomme il roule son caillou, comme ça. Donc, je l'ai fait en un quart d'heure, alors qu'en 2D ça m'aurait pris l'après-midi. Et pareil, ici pour son visage, voilà, on est un peu zoomé. Donc pareil, c'est toujours des éléments qui sont séparés, les yeux, la pupille, etc. Et moi je lui fais tourner la tête tout petit peu. Et c'est juste des éléments que je déplace entre eux. Je fais deux pauses, une pause ici. Et en fait l'ordinateur va faire intermédiaire. C'est toujours la technique flash en fait qui me permet de faire ces micro-détails, une main qui tremble ou quelque chose comme ça. Et en fait, moi, en animation traditionnelle, c'est souvent très très fastidieux à faire. Étant donné que si on fait bouger sa main comme ça, il va falloir faire à peu près 50 dessins qui bougent un tout petit peu. Alors que Flash me le fait tout seul. Tout est plat, il n'y a pas d'ombre, etc. Donc on y va étape par étape en ajoutant une texture aquarelle en fait, pour casser un petit peu le côté vectoriel de Flash qui est très froid. Donc redonner un petit côté... un peu sympa et dessin. Ensuite on rajoute des ombres pour vraiment détacher le bras de la silhouette. Ensuite des ombres du casque pour redonner du volume au casque et montrer vraiment qu'il l'a sur la tête. Une fois que j'ai fini, je suis content de mon compositing, des lumières que j'ai placées, je peux aller récupérer mon soft 3D. Hop là. Voilà. Donc là il y a mes tranchées, là il y a mes nuages qui sont au loin. Je sais pas si tu vois bien. Très bien. Voilà, donc là j'ai mis des petits cailloux, là j'ai des arbres. Et donc là on est encore dans la phase préparatoire de la 3D où il y a encore les plaques telles quelles, où il n'y a aucun éclairage. Et là, en tout petit, il y a mon personnage. Et donc une fois qu'on est content de ça,
on va mettre la caméra, donc notre formidable caméra, donc on peut choisir les lentilles, etc. 35 mm. Vraiment comme en vrai. En fait, ce qui est bien avec la 3D, c'est que on peut vraiment pousser les mouvements caméra très très loin. Et que ça fasse vraiment comme en prise de vue réelle, en fait, exactement pareil. Donc, par exemple, quand il y a une explosion qui est juste à côté de. Enfin, qui est pas très loin du personnage, on va faire vibrer la caméra, ce qu'on appelle un shake cam, qui permet de vraiment rendre le plan un peu plus réaliste. Et moi, la 3D me permet en fait vraiment de rendre l'action réaliste et donner l'impression au spectateur que c'est vraiment la guerre. Et donc, je suis mon personnage tout du long, avec mes différents décors, on voit vite fait l'explosion. Et donc il y a une dernière étape qui s'appelle le rendu. L'ordinateur doit calculer les images parce que c'est des images très lourdes. Il faut calculer tous les rebonds de lumière, les ombres qu'il y a là, les nuages qu'il y a derrière, etc. Et donc là j'ai le résultat final avec tout mouvement caméra, mes shake cam, en fait le tremblement de la caméra quand il y a une explosion, etc. La 3D peut avoir un rendu un peu froid et en fait moi j'essaye de récupérer le mieux des deux techniques. Donc ça fait une espèce de gloobie-boulguette technique et ça fait mon film.